Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une page du Art Journal avec le combo de couleurs que j'ai donné pour le défi du mois d'octobre. Oui, je le réalise que maintenant parce que c'est comme ça. Voilà, j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis pas mal de semaines, mais sauf que je n'ai pas eu le temps, en fait, tout simplement, de le faire jusqu'à présent. Et là, j'ai vraiment très envie de le réaliser. Voilà, pour passer à autre chose en fait, parce que je suis bloquée là-dessus et je n'arrive pas à passer à autre chose. Donc c'est parti, on y va, on y va. Alors, sur le Art Journal, voilà, je vais essayer d'utiliser le reste de peinture que j'ai de la peinture par numéro. Donc j'ai le combo de couleurs, pardon, qu'il faut utiliser. C'était bleu marine, marron et orange. Donc, je vais essayer de l'exécuter ici. Donc, c'est parti, on y va. Je pense que je ne vais pas beaucoup parler hein, pour cette vidéo. Ce sera plus de la démonstration ou de la réalisation, voilà, plutôt que plutôt qu'un tuto en fait. Hein, voilà, c'est de la création pure et dure. Allez, c'est parti, on y va. J'espère pouvoir le réaliser. Sinon, tant pis. J'ai quelque chose en tête, je ne sais pas si je vais réellement réussir. Allez, je prends du bleu marine. Voilà. Que je mets sur un plastique déjà dans un premier temps. Voilà. Et je vais essayer quelque chose. Voilà, je suis plutôt bien partie, on va dire, pour l'instant. J'ai le bleu marine qui est mis en place. Je l'aurais voulu peut-être plus clair à certains endroits, mais bon, tant pis, c'est pas grave, je n'arrive pas à l'éclaircir davantage. Et je suis allée chercher des petits die cuts pour essayer de compléter mon petit dessin que j'ai dans la tête. Alors, le marron est mis en place, le bleu marine, il me reste plus que l'orange à trouver. Mais bon, si je mets des petites choses marron en plus, ce n'est pas grave. Au contraire, ça risque d'habiller un peu plus. Alors déjà, pardon. J'ai une petite pomme de pin, un petit hérisson. Là, il y a du vert, donc ça ne peut pas rentrer. Il y a du rouge, ça ne peut pas. Là, il y a du marron. Hop, ça peut aller. Ça, c'est un marron ou une châtaigne. Je ne sais pas. On ne voit pas trop, mais c'est marron en tout cas. Là, c'est très joli. Il y a de toutes les couleurs. Justement, il y a du vert, donc ça ne rentre pas. Ça, c'est quoi? Une citrouille, mais ça rentre pas dans les couleurs. Là, un champignon, ça peut. Là, il y a un peu de vert, donc ça rentre pas. Un petit rouge-gorge, ça ne rentre pas dans le combo. Allez, un petit marron, un petit fantôme, ça rentre pas. Celle-là, il y a trop de vert. Pourquoi pas ce petit écureuil? Une belle feuille d'automne, une citrouille, deux citrouilles, c'est les mêmes. Tchouk et tchouk. Allez, voilà. Donc là, la sélection, elle est là. Alors, c'est pas tout à fait sec mon dessin encore. Alors, voyons, voyons. On va essayer d'absorber un petit peu. Allez, on va voir ce qu'on peut mettre en place.
Ou alors... C'est pas mal, ça fait joli ça déjà. Déjà, ça fait pas trop mal. Mais sinon, voyons, hop, si je fais ça... avec des marrons. C'est pas mal aussi. Ah ah. Ah ah ah. Mais pas mal ça, j'aime bien. Hein. L'écureuil, ça fait pas mal aussi. Allez, je vais mettre les... Hésite. Soit ça, soit ceci. Allez, je vais rester sur ça. Hop. Allez. Je me décide. Je mets de la colle donc sur mes petits personnages, donc là l'écureuil, ensuite la citrouille, hop. Avec la petite pomme de pin. Et le petit, je sais pas quoi, je sais pas trop ce que c'est. Hop là, si vous savez ce que c'est. Bon, je vois pas ce que c'est. Donc, je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est pas grave. Ça va venir se mettre tranquillement sur la créa. Ici. Voilà, hop. Voilà. Eh bien, j'aime bien. J'aime bien le résultat. Je vais peut-être mettre un petit peu de tamponnage. Ou pas. Non, je vais laisser comme ça. Là, ça me plaît bien pour l'instant, comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je mets tout à l'envers dans mon sachet. C'est bien. Voilà, ouais, j'aime bien comme ça. Ça sèche bien maintenant. Voilà, hop, j'enlève ça, comme ça vous avez un résultat plus sympa sans les scotch et sans les feuilles de brouillon. Je vais peut-être faire un petit contour noir là. Tac tac. Tac tac tac. Alors, un petit stylo noir. Un stylo noir, un stylo noir. Assez fin. Voilà, juste le petit quelque chose de plus qui permet de finir le dessin. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était très court, hein, une page très très rapide à faire, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est très simple, mais voilà, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein, je suis très très
intéressés par savoir, pour savoir ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien aimer ce petit challenge de défi, voilà, enfin ce défi combo de couleurs, ça change un petit peu et je trouve ça plutôt pas mal, voilà. Et j'aime bien. Bref, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!